Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Et comme vous l'avez vu, cette vidéo est postée à 8h et non pas à 16h comme d'habitude. Je pense que vous avez vu dans le titre que cette vidéo est dédiée à Margot. Donc Margot c'est qui? C'est ma meilleure amie. Je pense que vous la connaissez maintenant sur tous les réseaux sociaux, sur mes vidéos, etc. Et aujourd'hui, le 22 mai, c'est son anniversaire. Elle a aujourd'hui 22 ans. Donc elle devient vraiment vieille, hein. Mais c'est pas grave, on l'aime quand même. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de dédier une vidéo entièrement à elle. Mais vous pouvez quand même la regarder parce que je pense que vous allez bien rigoler. J'ai décidé en fait aujourd'hui de faire un petit bêtisier pour ses 22 ans. D'une bonne partie des vidéos que j'avais. Donc j'en ai beaucoup. Principalement des vidéos qu'on a posté sur YouTube, donc c'est juste du bêtisier de vidéo. Et une vidéo en particulier que vous allez pouvoir bien repérer parce que malheureusement vu la qualité de cette vidéo, je n'ai pas pu l'agrandir et donc elle est en très très petit format. Parce que c'est une vidéo que j'ai récupérée sur Facebook parce que suite à de nombreux problèmes, j'ai perdu tout ce que j'avais sur mon ordinateur et donc j'ai perdu toutes les vidéos liées à 3 ans. Et donc, je n'ai plus qu'une seule vidéo de Margot à cette période, et cette vidéo. Margot, au moment où je dis ça, je sais que t'es en train de flipper parce que tu sais très bien de quoi je parle. Vous allez voir, c'est du lourd. Donc je vous la laisse dans le reste, dans toutes les vidéos. Je pense que vous allez bien rigoler. Et voilà, je voulais absolument faire une vidéo pour Margot parce que Margot, c'est... C'est ma sœur, c'est ma meilleure amie, c'est ma moitié, enfin elle fait partie de moi, on est inséparables. Et voilà quoi, enfin sans elle j'en serais pas là aujourd'hui, je serais pas la personne que je suis et je me vois pas vraiment vivre sans elle en fait. Ça fait un peu déclaration d'amour mais c'est presque ça. Voilà, donc je voulais que vous sachiez à quel point cette fille est absolument géniale, à quel point je l'aime. Et je pense que ça peut être cool de partager un petit peu de sa folie. Bon, du coup, il y a un peu de moi aussi dedans. C'est pas grave. On s'assume, on rigole et voilà. N'hésitez pas à aller sur Twitter et à tweeter un maximum, vraiment, s'il vous plaît, avec le hashtag Happy Birthday Gomar. Donc je vous l'ai mis dans le titre et je vous le remets ici et je vous le remets en barre d'infos. En barre d'infos je vous mets aussi son Twitter, donc c'est gomar-o. Je vous mets vraiment tout en barre d'infos et n'hésitez pas à aller tweeter avec ce hashtag parce que ce serait cool qu'on lui fête tous son anniversaire. Donc mettez ce que vous voulez, mettez-lui des captures d'écran, mettez-lui des conneries, mettez-lui des mots d'amour, mettez-lui tout ce que vous voulez. C'est pour ça que je poste cette vidéo à 8h aujourd'hui et pas à 16h, parce que je veux que toute la journée vous y alliez avec ce hashtag. Même si vous ne la mentionnez pas, même si vous mettez que ce hashtag, elle ira voir, je le sais, elle ira voir le hashtag pour voir tous vos tweets. J'ai pris ce hashtag, je l'ai testé avant, il n'y a personne pour l'instant qui a tweeté dessus, donc il est vierge, on va pouvoir y aller et tous les tweets seront dédiés à Margot et donc... Je trouve ça super cool. J'espère que vous allez être nombreux à suivre le truc parce que, bah parce que tout simplement, elle le mérite. Elle mérite même bien plus que des tweets et bien plus qu'un hashtag. Mais tout ce que je pense d'elle, elle le sait. Et voilà. Pour la petite anecdote, pour tous ceux qui ne savent pas, qui ne le savaient pas, et d'ailleurs pratiquement personne ne le sait, avec Margot, ça fait 3 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés lorsqu'on est rentrés à la fac. Au début on s'entendait très 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 bien, on a tout de suite accroché, on s'est très très bien entendu dès le début. Et puis au bout de... je sais pas, peut-être 8 mois... Ouais je dirais 8 mois, il y a eu un clash, sans grande raison particulière, il y a eu un clash et on a complètement coupé les ponts. On a arrêté de se parler, on n'avait plus aucun contact et... Ça a duré, ouais, pas loin d'un an je dirais, avant qu'on recommence à parler. Mais au début c'était très très peu, on se parlait pas beaucoup, on se croisait, on se disait bonjour et c'était tout. Et puis au final, quand on est arrivés tous les deux en Allemagne, en octobre, on s'est retrouvés en fait comme il y a 3 ans.
Et puis bah on s'est rapprochés encore plus et aujourd'hui on est encore plus proches, encore plus soudés qu'avant. Donc tout ça pour vous dire que une vraie amitié, ça reste et rien ne peut séparer deux personnes qui sont faites pour être ensemble. Et même si s'il y a un gros clash, même si vous vous engueulez une bonne fois, même si vous ne parlez plus pendant quelques mois, ça ne change rien. Depuis du coup qu'on se reparle vraiment, donc je dirais depuis cette année, on ne s'est pas engueulé une seule fois. Alors ouais, il y a des moments où ça clash un peu, il y a un peu des... On se lance des piques, on s'énerve un peu vite fait, mais vraiment, il n'y a pas une seule grosse engueulade. Et voilà, enfin, on est consciente l'une comme l'autre qu'il n'y a rien qui pourra nous séparer. C'est pas parce que moi je vais entrer en France et qu'elle va rester en Allemagne, ou parce que je pars à l'autre bout du monde et qu'elle reste là, ou l'inverse, ou quoi que ce soit. Rien ne peut nous séparer. On le sait. On est fortes, comme les deux doigts de la main. Et voilà, c'est tout. Donc Margot, c'est ma soeur, c'est ma moitié, c'est moi, c'est Margot. C'est ma meilleure amie. Et quand je dis meilleure amie, c'est pas parce que c'est un titre de meilleure amie, c'est vraiment parce que c'est la meilleure de mes amies. Et voilà, c'est tout. Elle me soutient dans tout ce que je fais et je la soutiens aussi dans tout ce qu'elle fait. Et voilà, donc Margot, ne pleure pas trop après cette petite déclaration d'amour. Ne m'en veux pas trop après avoir vu le bêtisier qui va suivre. Et puis, moi je suis actuellement, au moment où vous voyez cette vidéo, dans un train ou dans une voiture, hein, dans un covoiturage, dans un truc, quelque part entre la France et l'Allemagne. Je rentre ce soir et t'inquiète pas, on va faire la fête. Tu l'as mis là? Ouais. Point du pâté, regardez ma gueule, c'est mais je me démaquille, hein. Ça va, hein. Moi aussi, il faut que je reste à côté de toi, comme ça, ça va. Je faut commence pas que tu me regardes, c'est là. Oui, bon. Bah c'est parti. Mon sac. Attends, l'autre a fait un son. Tu veux répéter tout ce que bah je dis? Bah ouais. Et tout l'amour est un village là où l'on m'attend. Mais où tu iras, mon pays sera toi. Et où tu iras, t'apporte la place, qu'importe l'endroit. Vas-y. Ah, putain, mais faut que tes bras ils se lèvent aussi. J'arrive pas. Je suis assise comme un bonhomme, moi. Je suis assise comme un bonhomme. Ça filme. Attends, toi et toi, t'as plusieurs réponses. Hein. Eh hey, Margot, elle a des trucs quand même. Princesse, et où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe le roi. Rien du tout. D'air. Attends, je suis pas prête. Bah ça, je m'en doute. Et après, nos jambes, on doit les mettre comment? Je sais pas comment on doit mettre. J'ai le cul ça. Là, j'ai pas que le cul, moi. Mais bah allez, lève-toi, là. Allez. Non, on va être dégueulasse, mon gars. Oui, il y a cette vidéo, mais ton. Allez, vas-y. Moi, faut que j'aille comme ça. Ah, rien quand même. Moi, si tu veux. Les paniers sous le vent, feu du soleil au visage et le bleu des océans. Je veux des chameaux, des mirages, des déserts en même temps. Je suis en manque de thé, les gars. Non, c'est pas. Si, c'est Poséidon. Non, c'est Zeus. Non, c'est Poséidon. Mais ouais. La fontaine, elle marche jamais. Et c'est un big up à mon tonton parce que mon tonton l'appelle Poséidon. T'es noir et plus que si vous êtes les est ou ouest. Oh putain. C'est la 8e année que je fais de l'allemand. Ah non, t'as commencé. C'est bon. C'est bon. Mon fait les neiges sont éternelles.
certaines portes et tous les enfants les comprennent. Dans les filles de New York et les bateaux sur la Seine. Où le beau te semble, j'ai tes envies, j'aime ta lumière. Ça, je sais pas faire. On t'ira où, mon pays sera toi. Où, j'irai où tu iras. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Où, à toi. Où, la place, qu'importe l'endroit. Où, tu iras. Mon pays sera toi. T'as la place, qu'importe l'endroit. On coupe. Comme tu seras quand tu vas te maquiller. Tu la baisses pas après, hein, parce que tout à l'heure tu fais que de la baisser et de la monter. Là. Non mais là déjà t'as déjà rebougé. Tu bouges plus là. Là je bouge plus là. Ah oui, donc t'as déjà rebougé. T'as fait que ça. C'est aussi... Tu bouges. Mets-toi dans la position où tu bouges plus. Comme ça. C'est bon. C'est bon là? Ouais. On réfléchit pas 30 ans. Ouais, t'as bougé. T'es plus dedans. C'est bon. Voilà pour ce petit bêtisier. Je pense que vous avez bien rigolé. En tout cas, moi, j'ai bien rigolé à l'éditer. J'ai pas mis les pires scènes. Parce qu'il y a des trucs qui sont trop perso que je pouvais pas partager. Mais je vous en ai déjà mis pas mal. Je pense que c'est plutôt drôle. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je m'excuse encore pour le petit format de la vidéo où Margot chante. Je suis désolée, j'ai pas pu l'agrandir, ça aurait été de la trop mauvaise qualité, mais bon, c'est pas l'image qui compte, c'est surtout le son. Donc je pense que c'est pas trop grave. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à tweeter avec le hashtag pour Margot. Vraiment, souhaitez-lui son anniversaire avec le Happy Birthday Gomar. N'hésitez pas non plus à tweeter avec le hashtag Enago. Donc Enago, c'est quoi? C'est Enabla plus Margot. Donc je vous mets également dans le titre, en barre d'infos, partout. Vous le connaissez maintenant. N'hésitez pas à tweeter, envoyez-nous tout ce que vous voulez, des défis, des challenges, des trucs que vous voudriez voir avec nous deux, ce que vous voulez, des photos, des machins. Voilà, faites-nous rire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Margot, je te fais de très très gros bisous. Je te retrouve ce soir et on va faire la fiesta. Tu vas voir ton 22e anniversaire, on va le fêter, mais vraiment. Et puis, moi je vous fais de très très gros bisous. Et puis je vous retrouve mardi dans une prochaine vidéo. Ciao!